Alassane Moubamba Pambou séjourne à la prison centrale de Port-Gentil depuis le 22 juillet passé. À 34 ans, il est présumé coupable de vol aggravé chez quatre compatriotes auprès desquels il a soutiré un drone, un ordinateur portable et des kits oreillettes. Quand je pars toujours pour aller voler dans les pauvres maisons, je me rassure que premièrement, il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, je passe par l'arrière pour ne pas à tirer le soupçon des voisins ou encore des personnes qui sont à l'intérieur. Je rentre. Si par exemple c'est belle vitrée, je ne casse pas. Je pousse la belle vitrée si c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, je ne casse pas aussi. Si c'est pas ouvert, je ne casse pas. Je ressors. Si c'est ouvert, je rentre. Je prends ce que j'ai à prendre. Je ressors toujours par la même place là où je suis passé. Oui, deux quartiers dans quatre maisons. Je prends parfois même les ordinateurs ou encore les écrans. Si voire peut-être les bijoux s'il y en a. S'il y a même l'argent, je prends. Les personnes qui voyagent, quand ça me propose, j'ai là avant ça. Vous vendez ça à combien? Un écran business, c'est dans les 50 000. Les 32 pouces, c'est dans les 50 000. 50 000, 80 pouces là, les 64 pouces, je fais ça dans les 90 000. L'ordinateur portable, j'ai vendu ça à 45 000. Le drone, j'ai vendu ça à 38 000. Vous avez combien d'enfants? Les deux. Vous voulez pourquoi? Pour souligner, on peut parfois besoin de ces deux personnes là. Quand j'ai parfois je suis au port là-bas, quand ça ne marche pas un peu pour moi, je suis obligé de me rabattre un peu dans ce genre de situation. Les effets volés sont parfois bradés au ghetto du quartier chic à ce qu'il semble, par les effets des articles 292 et 296 qui répriment le vol aggravé dans le code pénal gabonais. Le mis en cause répondra de ses actes devant la loi.